Good morning, allez, Yidan, les tutors aujourd'hui, le Nishmat Amrena Ben Hana, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel et Baruch Ben Jamil Tara Bakohen. Si vous souhaitez, vous aussi, des une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maserhet Avoda Zara, Perek He, Mishnah Yudbet, la dernière Mishnah de la Maserhet. Alokeach Kli Tashmish Min Hagoy, Et Shedarko Leatbil, Yatbil, Lea Gail, Yagil, Lea Ben Baur, Yela Ben Baur. Ashefoud, Veaskala, Melabenan Baur, Asakin, Shafa, Vehi Tehora, et c'est tout. On recommence. Alokar, Kle Tashmish Minagoy, celui qui acquiert, achète un Kli Tashmish, un ustensile de cuisine, Minagoy, d'un goy. Donc, je vais acheter des couteaux d'un goy, je vais acheter des casseroles d'un goy. Qui me le donne, peu importe. Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. Il y a un problème donc de Gioulé Nochrim, les aliments qui sont imbibés dans les parois de l'ustensile. Et la Mishnah m'enseigne de ce fait, il faut les cachériser. Et comment je dois les cachériser? Il y a deux opérations. Peut-être qu'on introduit très rapidement devant l'idée, ça ira plus vite ensuite pour lire la suite. Et d'abord, deux problèmes. Il y a un problème de cacheroute. Tout ustensile absorbe de l'aliment interdit. Si par exemple dans une casserole on a fait cuire de la viande qui n'était pas cachère, eh ben on ne pourra plus faire cuire quoi que ce soit dans cette casserole tant qu'on ne va pas cachériser la casserole. En réalité, il faut savoir quand même, selon la Torah, c'est interdit pendant 24 heures, parce que pendant 24 heures, l'aliment, le goût absorbé peut encore ressortir et améliorer le goût de l'aliment qu'on va faire cuire. Après 24 heures, le goût se détériore, sauf quelques petites exceptions en rapport avec les aliments piquant, on évoquera le sujet à la fin de la Mishnah. Et puis, malgré tout, Chachamim ont fait une xéra. Ils ont dit, tout aliment, tout ustensile qui est absorbé de l'interdit, tu dois nécessairement le cachériser pour le réutiliser même après les 24 heures. Même si c'est devenu ce qu'on appelle noten ta'am lifgam, le goût qui a été détérioré. Malgré tout, il faut nécessairement cachériser la casserole. D'accord? Maintenant, à part le problème de la cachérisation qu'on va évoquer dans la Mishnah, les 2-3 procédés, qui vont être évoqués, il y a par ça un autre problème de tremper les ustensiles au mikvé. Machloket, est-ce que c'est midor haïta ou bien midor rabanan? Machloket rishonim, bien connu. Concrètement, on est mahmir comme si c'était midor haïta, comme selon l'avis qui pense que c'est midor haïta, au moins pour les ustensiles en fer, en inox, tous les métaux, quoi. Et il faut nécessairement aller les tremper au mikvé. C'est un deuxième procédé. Donc la Mishnah maintenant m'enseigne comme ça. Alokar klet hashmish min hagoy. Lorsque tu achètes un ustensile de cuisine d'un goy, et chez d'alcoolé adbil, si c'est un ustensile où il faut juste le tremper au mikvé, littéralement la Mishnah a un problème. Elle nous enseigne en fait celui qui a l'habitude d'être trempé. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire un ustensile qui ne doit que être trempé au mikvé. Alors yadbil, tu le tremperas directement au mikvé et il sera kasher directement. Par contre, les agil, s'il faut lui faire la agala avec de l'eau bouillie, c'est-à-dire l'ustensile est un ustensile qu'on a l'usage d'utiliser en faisant bouillir des aliments, par exemple, on fait dedans une soupe de viande, donc le goy a fait dedans de la soupe de viande nevela, interdite à la consommation, donc c'est ce qu'on appelle d'arco les agil, d'utiliser avec de l'eau qui boue. Alors, il faudra le cachériser en lui faisant la agala, en le faisant passer à l'eau bouillante. Faire bouillir une grosse casserole d'eau et prendre cette casserole à soura, la tremper dedans, attendre que ça rentre en ébullition, et puis la casserole est devenue cachère, et ensuite tu prends la casserole et tu vas la tremper au mikvé. Le bartender précise même, il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de rouille sur les aliments, sinon les goûts interdits. Des petites particules d'aliments interdits vont rester en dessous de la rouille, et donc tu vas la faire passer, tu vas lui faire la gala, elle va rester à soura, puisque l'aliment va rester sur place. Donc toujours, grande règle, avant de cachériser, on nettoie, on supprime toutes les traces de rouille, ensuite on fait la gala, on trempe la casserole dans une eau bouillante, elle pour les têtes son goût, et ensuite on le trempe au mikvé. Par rapport à tremper au mikvé après la cachérisation, il y a une machloket rishonim, on est mahmir a priori de ne faire de tremper au mikvé qu'après que l'aliment ait été cachérisé. D'accord? Maintenant, si c'est un ustensile que l'Ela Ben Baour que l'on fait passer au feu, alors il y a la Ben Baour, il faudra là aussi faire passer au feu. Soit
C'est selon la grande règle, kebol o karpolto. Dans la Torah, on distingue deux formes de cuisson essentiellement. La première forme, c'est ce qu'on appelle avec, c'est la cuisson avec des liquides. C'est en général des cuissons où les températures sont beaucoup moins violentes. D'accord? Puisque à chaque fois, lorsqu'on fait par exemple des pâtes, on fait bouillir de l'eau et l'eau fait cuire les pâtes. D'accord? On passe avec un liquide. En général, ces casseroles-là, ce mode de cuisson atteint des degrés de des températures beaucoup moins fortes. Et la Torah m'a dit dans ce cas-là, kebol o karpolto, puisque tu utilises avec des liquides, donc tu devras cachériser avec des liquides en faisant tremper dans l'eau. Et il y a un autre mode de cuisson de cachérisation qui est beaucoup plus violent pour les aliments, pour les ustensiles que l'on fait entrer directement en contact avec le feu, comme c'est le cas justement du haché food vers Ascala, qui sont soit une broche, les brochettes en fer, ou soit Ascala, je crois que c'est plutôt Ascala, c'est la brochette, et non, haché food, c'est la brochette plutôt, et Ascala, c'est la grille sur laquelle on fait cuire la viande, puisque là, c'est en contact direct avec le feu, sans liquide, uniquement la viande avec le feu. Alors là, c'est ce qu'on appelle, que c'est en contact directement avec le feu, il faut lui faire le liboun, le faire passer au feu, au chalumeau, jusqu'à que... On a l'habitude de dire dans la Torah, Achiyu nitsosot nitazin, jusqu'à qu'il y ait des étincelles qui vont jaillir du fer. En réalité, c'est compliqué parce qu'on mettait une fourchette dans du feu, vous allez voir que ça ne va pas vous faire jaillir des étincelles. Il y a quelqu'un une fois qui m'a expliqué, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui m'a expliqué qu'en réalité, non, il faut que les aliments interdits, tu vas voir que ça va te faire des petits éclats comme ça, si toutefois il y en avait. Je ne sais pas exactement pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire nitsosot nitazin. Personnellement, chaque fois que j'ai fait la gala, le liboun, je n'ai jamais vu des étincelles. Ce n'était pas des, comment ça s'appelle, les trucs qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Des étincelles, ce n'était pas le cas du tout, des ikukim. En tout cas, voilà, il faut faire passer au feu jusqu'à que ça devienne assez rouge, jusqu'à que s'il y avait dessus, si on mettait de la paille, elle se mettait à brûler, donc même plus que ça. Ok. Donc on a fait, maintenant, on a découvert c'était quoi, la gala, donc à l'eau bouillante, le liboun au feu, et aussi la nécessité de faire tremper au mikvé. En rapportant bien sûr le Barthénora de veiller à retirer toute la rouille, et chaque ustensile selon l'usage de l'utilisation, selon l'habitude de l'utiliser. À Sakin, maintenant, la Mishnah continue en m'enseignant une halakha un petit peu particulière qu'on va expliquer tout de suite. À Sakin, le couteau, soit si tu prends un couteau d'un goy que tu veux utiliser, il y a marqué Shafa Vei Teora. Shafa, c'est littéralement mashkhiza, oh, c'est qu'il l'aiguise. Il doit la frotter contre une pierre l'aiguisée et elle devient permise. Ça, c'est flou. Ça signifierait apparemment, et c'est faux, mais si on s'en tenait au mot, ça signifierait que pour cachériser un couteau, on pourrait même se permettre de l'aiguiser. En réalité, les Mefarshim, il explique ça très bien ici en bas, on parle d'un nouveau mode de cachérisation pour le couteau. Dans le Barthénora d'abord, il nous rapporte l'histoire de le tremper dans de la terre assez solide, le tremper 10 fois et on peut l'utiliser. On parle en réalité, et là on explique quelque chose de très important. Lorsque on a un ustensile qui est assourd, selon la Torah, si l'ustensile est parfaitement propre, on a le droit de l'utiliser à froid. À chaud, il y a un problème, parce que lorsqu'on va commencer à faire cuire un aliment dedans, alors les bliot, les aliments qui sont absorbés dans les parois, elles vont ressortir grâce à la chaleur, mais tant que l'on est à froid, alors si l'ustensile est propre, on peut l'utiliser. D'accord? Malgré tout, d'abord, ça rapporte dans la halakha de ne pas utiliser de manière fixe un animal qui a absorbé un aliment interdit, de peur que ensuite on va se mettre à l'utiliser à chaud. Mais occasionnellement, si on veut le faire, il y a lieu de permettre, je ne veux pas moi permettre officiellement, mais en tout cas, en théorie, si on a même une fourchette bassarite et qu'on a un plat à la vie à manger et qu'on ne trouve pas d'autres fourchettes, là, la halakha stricte nous permet de prendre, de bien nettoyer la fourchette occasionnellement et de l'utiliser. On évite de le faire, il y a des minagim sur ça de ne pas le faire, bien sûr, évidemment. Là n'est pas notre propos. Ça, donc, selon ce principe, lorsqu'on prend un couteau d'un goy, si je veux couper occasionnellement du fromage, par exemple, donc j'ai besoin de son couteau pour couper un bout de fromage. Alors, en théorie, il suffirait que le couteau soit propre. Cependant, il y a une halakha particulière. C'est que si on va couper ce qu'on appelle du harif, un aliment piquant, couper du piment, de l'oignon, de l'ail, alors tous ces aliments harif ont la faculté de pouvoir faire sortir un petit peu des bliot, des goûts absorbés dans l'ustensile, même à froid. De ce fait, il faut lui faire une petite cachérisation
C'est pas là nécessaire de lui faire un vrai liboun pour le kachériser si on veut couper occasionnellement un de ses aliments. Il suffit uniquement, par exemple, soit de le planter 10 fois dans la terre, soit de l'aiguiser, ça va les faire chauffer, ça va supprimer la petite pellicule extérieure, et ça suffirait ensuite pour pouvoir permettre à utiliser à froid même quelque chose qui est piquant, tant que c'est occasionnel. Dès que ça va devenir fixe, on ne pourra plus se fonder sur ça, il faudra nécessairement le kachériser comme il se doit. Et sur ce, on a fini Be'ezrat Hashem, la Masechet Avodah Zarah, Slik Masechet Avodah Zarah, Mazal Tov, Mazal Tov. On a en l'honneur de Avodah Zarah, on ne va pas boire du Yain Neser, on va plutôt boire de la Moucha, Lichvod, Ayroa, Baruch Hashem, Mazal Tov. C'est notre 8e Masechet qu'on a l'occasion de finir. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihyeh Bidvaro. Et Be'ezrat Hashem, dès demain, on commence Masechet Avot. On va commencer tout de suite la première partie de la première phrase, pour ne jamais rester sur une fin. Moshe kibel Torah misinai umesara la Yoshua, Yoshua les zkenim uzkenim la neviim unviim mesarua la nesheknesat agdola. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au Har Sinai, il l'a transmise à Yoshua, Yoshua aux zkenim, aux vieux sages, les sages aux neviim, aux prophètes, et les prophètes à nesheknesat agdola. On expliquera ça, Be'ezrat Hashem, tout ça demain. Je vous rappelle, c'est pour le troisième jour consécutif, réagissez, dites-moi, est-ce que la qualité du son, elle est devenue mieux? À part ça, j'ai besoin que tous ceux qui nous suivent de manière fixe se manifestent et m'envoient un mail, parce que j'ai des questions à leur poser techniquement pour la suite du programme, lorsqu'on va finir, Be'ezrat Hashem, le Seder Nezikim. Si vous faites attention, il nous reste à vote, ça va aller très vite. On a dans 5 minutes éternelles, on a mis en général 2 à 3 Mishnayot par jour, ça va aller vraiment vite, donc c'est dommage de perdre trop de temps dessus. Et puis ensuite, on a une petite Maseret, Maseret Orayot, et ensuite on aura fini, Be'ezrat Hashem, le Seder Nezikim. D'abord, je compte faire Be'ezrat Hashem, une petite fête à la maison et vous inviter cordialement, réserver ce jour, calculer les dates, je ne sais pas encore quand ça va sortir. Et puis ensuite, je pense qu'on va étudier le Seder Kochim, j'ai un grand intérêt. Je vous donne un droit de veto, mais pour ça, j'ai besoin que vous manifestiez, que vous m'envoyiez un petit mail. Comme ça, je peux vous poser quelques petites questions, quoi, savoir est-ce que vous préférez le Seder Kochim, Seder Moed. A priori, je pense que Kochim, c'est bien. C'est aussi une préparation pour ceux qui comptent étudier le Daf Yomi. Bientôt, on va arriver dans Seder Kochim. Seder pour ça qu'à 2 ans, j'avais commencé Seder Nezikin. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans mon limout de Daf Yomi. Et donc, ce sera l'occasion pour nous, Be'ezrat Hashem, de faire Kochim. Je pense que c'est assez nouveau dans le paysage français. Ça n'existe pas tellement d'avoir des Mishnayot de Kochim. C'est une belle occasion. Manifestez-vous, faites-moi signe, et puis, ben voilà, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Chanukah Sameach, Kol Tov U'Seyarah.